préambule de cette soirée, mesdames et messieurs, une chute tous 20 minutes. De Saint-Nicéphore à 200 livres. Mesdames et messieurs, Cowboy Lefebvre. Son adversaire de Drummondville à 173 livres, Frank the Dagger. L'arbitre de ce combat, Jacques Manceau. Eh bien, mesdames, messieurs, on en profite pour vous souhaiter une bonne année 1991. Une carte de lutte qui promet beaucoup. Et ce soir, petit changement d'horaire, puisque pour le premier combat, normalement, on aurait dû voir la performance de Barber Beefcake Rouillard de Saint-Nicéphore, 195 livres, mais pour des raisons que l'on ignore, Barber Beefcake n'a pas pu être avec nous ce soir. Donc, celui qui va prendre la relève, c'est Frank the Tiger, 173 livres. Et aussitôt, le combat débute. Tout d'abord, Michel... Bonne et heureuse année 1991. Bonne année à toi aussi. Oui. C'est la première fois qu'on a le plaisir, cette année, de co-animer cette lutte ensemble. Eh oui, mais très bonne année. J'espère que... Au niveau de la lutte, hein, ça va très bien. Je pense que 1991 nous réserve de grandes surprises. Revenons maintenant à l'action qui se déroule présentement à l'intérieur de l'arène. Et c'est Frank the Tiger qui vient d'être projeté au sol. Il vient de sortir à l'extérieur pendant que Jacques Manceau, l'arbitre, fait ses réprimandes au Cowboy Lefebvre de Saint-Nicéphore. Michel, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir le Cowboy Lefebvre déjà à l'action. Seulement Yves en pratique, dans ses entraînements. Et là, présentement, il fait la fête à Frank the Tiger. Projection au sol, directement sur le ciment et on retourne dans l'arène. Frank the Tiger qui vient de trouver chaussure à son pied. Il est sonné pour l'instant. À l'extérieur de l'arène. Frank the Tiger qui se relève difficilement et entre dans l'arène. Le cowboy l'attendait. Coup de pied. On le relève. Projection dans les câbles. Le coup de la corde à linge. Appliqué avec force. Un tombé. Un, deux, non! Dégagement souplesse de Frank the Tiger qui résiste. On part dans les câbles. Descente du genou directement sur la colonne vertébrale. On prend le départ des cheveux et on écrase la tête de Frank the Tiger au tapis. Eh bien... Il est féroce, ce cowboy. On relève Frank the Tiger, on le prend par la tête, projection dans les câbles. Oh! Descente du pied directement dans l'abdomen, histoire de lui couper le souffle. On le relève maintenant. On le place dans son coin, on prend bien son temps, projection dans l'autre coin. Et le cowboy. C'est une nouvelle prise, c'est la première fois qu'on a la chance d'observer un lutteur qui frappe. Avec le derrière, le 1, 2, non! Frank the Tiger résiste. Frank the Tiger résiste. L'action se poursuit toujours, on le relève. Un enfourchement par-dessus les épaules. Le petit paquet de projection au sol. Le Tiger est sonné, le cowboy part dans les câbles. La descente du genou directement. Sur les carotides, Frank the Tiger est complètement sonné. On applique le genou, l'arbitre fait le compte. Un, non, the Tiger résiste. On le relève maintenant. Par la prise des cheveux, l'arbitre. Un nouvel arbitre en passant, Jacques Manceau, c'est la première fois qu'on a la chance de le voir dans l'arène ici à Drummondville. Il n'intervient pas beaucoup parce que le cowboy actuellement en profite pour utiliser quelques tactiques déloyales. Dans le coin maintenant, Frank the Tiger qui subit encore les foudres de la part du cowboy. La descente du coude à trois reprises. On prend le Tiger, le projette dans le coin. Et solidement accueilli par le coup de la corde à linge. L'arbitre prend bien son temps pour calculer. Et ni l'un ni l'autre sort vainqueur jusqu'à maintenant. Le cowboy. Frank the Tiger maintenant qui revient. Oh, belle réplique de la part de Frank the Tiger. Tente de récupérer, c'est difficile. Et le cowboy, lui, va se retrouver debout le premier. Descente. Directement sur les épaules. Ça sonne. On entend le bruit. Maintenant, c'est l'étranglement. L'arbitre demande évidemment le bruit. Et The Tiger a de la difficulté, à mon avis, à passer au travers ce match. On tente de revenir. Une belle riposte. Coup de poing. Coup de tennis. On part dans les câbles. La descente du poing directement sur le front. Descente du genou sur les carotides. Et Frank the Tiger qui a récupéré rapidement
En très grande forme, Frank the Tiger. Mais il s'entraîne beaucoup. Il s'entraîne. Dans de nombreuses heures au gymnase. Oh! Le coup de la corde à linge qui a ébranlé le cowboy. La descente du poing directement sur le front. Un tombé. L'arbitre prend bien son temps. Un, deux. Et non! Frank the Tiger décide qu'il n'en a pas assez. Frank the Tiger décide qu'il n'en a pas assez. On le relève maintenant. 200 livres qui viennent d'embrasser le matelas. On part dans les câbles. Descente du coude. Et on me grimpe maintenant sur la deuxième câble. Hey! Le coup de poing atomique. Eh bien là, si le cowboy n'est pas parti rêver. Un, deux, non! Non, Frank the Tiger décide qu'il n'en a pas assez. Il se relève encore. Le coup de pied, le coup de genou plutôt, qui arrive directement sur les tempes, histoire d'envoyer le cowboy à rêver plus loin. On va maintenant travailler la jambe. À mon avis, Frank the Tiger aurait dû en profiter pour terminer le match ici. Il a son adversaire complètement à sa merci. Il y a déjà 5 minutes d'écoulées dans le combat. 5 minutes. Le grand écartèlement. Et le cowboy qui souffre et qui préfère se retirer à l'extérieur. Ben Frank the Tiger demande à la foule de bien vouloir l'appuyer. La foule qui ne répond peut-être pas comme... Répond la moitié. Frank the Tiger aurait peut-être préféré un support un peu plus actif. Mais je pense que la foule aime bien le cowboy. C'est un nouveau venu. Hein? Mm-hmm. Puis je pense que aime bien. Il risque de faire son chemin. Frank the Tiger, rapide comme toujours, est passé dans les jambes. On a fait tomber l'adversaire au sol. On va maintenant venir travailler la jambe. Oh! Descente du genou. Une fois. Une deuxième fois. Coup de pied maintenant. Et l'expérience du cowboy d'aller chercher des câbles pour se sortir de la situation. Là, on voit que le mal a été fait. C'est ça. Le mal a été fait. Frank the Tiger prend bien son temps. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas actuellement. Et voilà, on repart encore une fois. Et encore un coup de pied. Le cowboy est au sol. Coup de poing. Et là, on travaille directement sur les nerfs. Le cowboy maintenant qui s'en prend à la gorge. L'arbitre demande un coup de poing de la part de Tiger qui revient aussitôt sur la jambe. Eh bien, c'est à qui mieux? C'est à toi, à moi. Oui. La descente du genou qui est... bien appliqué par Frank the Tiger et le travail qui se poursuit toujours. Coup de poing. Une autre fois. Pour son premier combat, cowboy, il va s'en souvenir, c'est pas de la pratique, là. Ah ben qu'au début, il avait le contrôle de la situation. Il s'est bien vite rendu compte que ça n'allait pas durer. Le cowboy qui est dans le coin actuellement. Le Tiger qui prend trop de temps. Laisse largement la chance à son adversaire de pouvoir récupérer. Chose que l'adversaire a fait. Tout d'abord, un coup de pied qui a été bien appliqué. La descente, ensuite, dans le dos, a été bien appliqué aussi. Un autre coup d'avant-bras. Et on voit que le mal a été fait. On prend Frank the Tiger. Et non, le Tiger résiste. C'est le cowboy qui va embrasser le coin. C'est le cowboy qui a baisé le haut de la troisième corde. Autre chose de plus intéressant pendant cette histoire, sûrement. Projection au sol. Le faciès grimaçant du cowboy actuellement. Oh! Oh! Coup de tête bien appliqué par le cowboy qui a sonné Frank the Tiger. Et pendant ce temps, les précieuses minutes, quant à elles, s'écoulent dans ce premier combat. Oh! Et là, épuisé, cowboy. Frank épuisé. The Tiger. Oui, bien, il faut dire qu'il en a arraché beaucoup au cours des dernières minutes. Le travail acharné de Frank the Tiger sur l'articulation de la jambe, ça devient très difficile. Les deux gladiateurs sont maintenant au sol. Le cowboy semble récupérer beaucoup plus rapidement, se relève. Que va-t-il se passer? Oh! Coup de tête! Bien appliqué sur Frank the Tiger. Et pendant ce temps, l'arbitre fait le compte. L'arbitre fait le compte. Et on entend dans la foule les gens qui encouragent le cowboy à se redresser. Et là, on a voulu faire passer Frank the Tiger à l'extérieur de l'arène. C'est réussi, mais il est toujours sur le tablier, cependant.
Et Frank le Tiger qui a faciès complètement grimaçant. Le cowboy qui l'attend. Coup d'avant-bras. Réplique de Frank the Tiger. Coup de poing. Oh! Trigotini qui a directement porté. On a entendu le coup. Au centre maintenant, coup de pied de mule bien appliqué juste à la hauteur de la mâchoire. Frank the Tiger qui part. Dans les câbles. Il a couvert l'adversaire. Un tombé. Un. Non. Non. Ce n'est pas à la satisfaction de Frank the Tiger. Ce n'est pas à sa satisfaction. Frank the Tiger semble avoir le plein contrôle. Laisse passer le temps. Coup de poing dans le bas du dos. Un deuxième. Un troisième. Le cowboy s'écroule. Frank the Tiger maintenant qui se place. Et c'est la prise de l'alligator. C'est la prise de l'alligator. Une prise de soumission. Une prise qui ne pardonne pas. Le cowboy résiste. Frank the Tiger qui n'est pas assez pesant n'a pas pu appliquer la prise comme il aurait voulu. Du haut maintenant de la deuxième câble, on arrive sur le cowboy. On prend maintenant une deuxième fois. Et un autre coup qui porte littéralement derrière la nuque du cowboy. Il doit maintenant lui être sûrement rendu à Dallas ou quelque part dans ce coin-là. On va être au pays des rêves actuellement. Oh! Le coup. Quand la montagne ne vient pas au cowboy, c'est lui qui va elle. Pourquoi pas? Frank the Tiger qui poursuit son travail de destruction. Le coup de la corde à linge qui a bien porté. Et le Tiger qui se proclame vainqueur. Et la foule qui est partagée. La foule est partagée. On le relève encore. On relève le cowboy. Projection au sol. Le cowboy s'est étendu de tout son long. Frank the Tiger. Il lève le bras en signe de victoire. Il passe à l'extérieur maintenant. Il va venir grimper tout juste devant nous sur la troisième corde. Que va-t-il se passer? On se place. On est bien placé en pleine hauteur. Et c'est le coup de la voltige. Un, deux et trois. Alors, le saut de l'ange. Le saut de l'ange à la manière après de Frank 11 minutes Tiger. De combat, le gagnant, Frank the Tiger. Eh bien, Frank the Tiger, qui au début en arrachait passablement, se retrouve maintenant le vainqueur de ce premier combat. Ici, on s'arrête histoire de faire une pause. Nous sommes de retour dans un instant avec encore plus d'action. Le deuxième combat de cette soirée, une chute aux 20 minutes. Il est de Montréal, à 235 livres, de Brick. Son adversaire de Asbestos, à 270 livres, Mario le Justicier du Québec. L'arbitre de ce combat, Pierre Demers. Eh bien, c'est pour le moins que l'on puisse dire que nous aurons la chance d'assister à un combat qui sera haut en couleur. Des gladiateurs de force presque égales. The Brick, qu'on a la chance d'accueillir pour une première fois ici à Drummondville, donc il est impossible de vous donner beaucoup de renseignements sur ceux-ci. Mais, bon, alors ils sont coiffés de manière tout à fait semblable. Ils ont également la même tenue. Je ne sais pas si ce sont les deux frères ou peu importe. Mais toujours en est-il qu'un se retrouve à l'extérieur, un à l'intérieur et la roche
qui devra, je pense, en prendre partie des deux. Mm-hmm. Je suis pas sûr. J'étais vraiment embêté, Yves, pour présenter. Je ne savais pas quel des deux luttait. Ben, j'imaginais qu'on allait assister à un combat en équipe. Je ne comprenais plus rien. Je ne comprenais rien. On a eu la chance de voir arriver. Système de ventilation pour la cloche. Fait adresser quelques reproches en passant. Pas si vous avez remarqué, on aurait souhaité qu'on ramasse le linge, comme on nous a dit, de monsieur. Ah ben! Les ex-lutteurs de la World Wrestling Federation, la WWF. En fait, The Brick, selon toi, ce serait lequel entre les deux? Aucune idée, ils viennent peut-être d'Hawaï. On est combien de costumes d'Hawaï? C'est ça, ils sont très colorés. Ils sont hautement colorés. Ah ben pour l'instant, La Roche semble faire un mauvais parti à The Brick, à l'insatisfaction de l'autre qui est à l'extérieur. Épreuve de force entre les deux gladiateurs. Épreuve de force. Et encore une fois, La Roche n'a aucun problème amener son adversaire au sol pendant, bien sûr, que de l'autre côté, on se plaint de se faire tirer par les cheveux. L'action se poursuit dans le mal. Ah, il fait toujours beaucoup rire, La Roche, lorsqu'il fait sauter ses pectoraux. Tout comme s'il voulait se moquer de ses adversaires. Ah ben, l'action tarde à venir. Des deux côtés, on s'étudie actuellement. Ah ben, prise de tête appliquée par The Brick. La Roche qui le pose dans les câbles. Oh, coup de bélier qui n'a pas ébranlé La Roche, qui n'a pas non plus fait tomber l'autre gladiateur. On en est toujours au stade de l'analyse. Prise de tête, encore une fois, bien appliquée par The Brick sur La Roche. La prise de tête est bien maintenue, bien serrée. On se pose dans les câbles. The Brick dans les câbles, maintenant le coup de bélier qui, encore une fois, impressionnant La Roche. Un mastodonte de chair et de muscles. Il est sûr de lui. Il a confiance en lui. On le voit. Il pratique beaucoup. Il a 3 heures à 4 heures par jour, je crois, qu'il s'entraîne, La Roche. 270 livres, hey, Michel. Oui, oui, on oui, dirait oui. pas, quand même. Ah ben, dans les câbles, c'est à toi. Moi, vu qu'on n'a pas de cheveux, on y va par les oreilles. Et on se sert quand même. Et The Brick, qui est satisfait du travail, et regardez le faciès malin. Malin de La Roche. Ah ben, l'épreuve de force est reprise maintenant. On se pose dans les câbles. L'arbitre demande le bris. À toi, à moi. Et encore une fois par les oreilles. Tiens-toi. Encore une fois, La Roche est retirée dans les câbles par les oreilles. Oh! Et on vient de le gifler. L'arrogance de The Brick, ça pourrait bien éventuellement lui coûter cher. Et on passe à l'extérieur de l'arène. De part et d'autre. On passe tout juste derrière nous. Et l'arbitre ne sait pas. Et pendant ce temps, on devait bien s'en douter qu'on allait faire le travail à l'extérieur de l'arène. Et l'arbitre de Merce qui, lui, fait semblant comme s'il ne voyait rien. Et c'est The Brick numéro 2 qui a fait le travail à l'extérieur. Ah ben, encore une fois, de Merce qui va se retrouver au cœur d'une contesté. Étranglement de The Brick sur La Roche. Étranglement. L'arbitre qui s'interpose qui réussit à faire briser la prise et qui donne des remontrances à The Brick. Coup de pied bien appliqué sur la colonne vertébrale. Descente. Les deux avant-bras sur le dos. Et on revient maintenant par les oreilles. Encore une fois, on vient tirer les oreilles de La Roche. Ben, quelques secondes que nous venons de vivre ont été chaudes en émotion. Et pendant ce temps, la foule encourage Mario La Roche à l'insatisfaction de l'autre de Brick qui est à l'extérieur. La Roche qui réussit à se défaire de la prise. Oh, coup de pied de mule bien appliqué. Il a projeté La Roche au sol. Coup d'avant-bras. Deux avant-bras sur le bas du dos. La Roche qui est en situation de problème. Et encore une fois,
Et encore une fois, un étranglement de la part de Debrick. L'arbitre qui tente à tout prix de vérifier, mais ça ne fonctionne pas. Et Laroche, qui est en bien mauvaise posture. Il a 5 minutes d'écoulées dans ce combat. 5 minutes. On peut remarquer le faciès satisfait de l'autre Debrick à l'extérieur, qui vient compléter le travail. Vous le voyez vous-même. On vient compléter le travail par l'extérieur. On vient compléter le travail de l'extérieur et Laroche qui est pris en pendaison entre la deuxième et la troisième corde. Et on avait un partisan qui voulait intervenir. Et pendant ce temps, le travail se poursuit dans l'arène Laroche qui subit les fougues de l'autre de Brick. Le Mercedes déconcentré facilement ce soir. Je ne sais pas, mais sans qu'il y a du ah, d'ailleurs, comme à tous les combats. Et là, on a un des Debrick qui lui dit n'avoir rien fait. Et pendant ce temps, Laroche tente de récupérer, mais le travail se poursuit toujours. Coup de genou bien appliqué dans l'abdomen. Coup de poing. Coup de poing, encore une fois. Un surpassement. On part dans les câbles. Et c'est la descente du coup de portée directement. Un tombé. Un, deux, non! Laroche résiste. Ah ben, il n'en est pas à ses premiers combats, Laroche, et ne va pas se laisser impressionner par autant, j'ai bien l'impression. C'est difficile de lutter contre deux. Oui, hein, habituellement. C'est un combat handicap. C'est presque un combat. C'est peut-être même contre trois, Yves. Contre l'arbitre ici. C'est vrai, difficile. Un tombé, un, deux, non! Oh, oh. Avez-vous vu à quelle hauteur The Brick a levé? Moi, ce qui m'impressionne, c'est pas tellement celui qui est dans l'arène comme celui qui est à l'extérieur. Oui. Avez-vous remarqué la grosseur de l'autre? C'est bien. Avez-vous remarqué la grosseur de l'autre? Oh! Et on s'est malheureusement accueilli les foufous au sol. Ça, chez les Français, on appelle ça un tapu. Il est royalement bien appliqué. Et Laroche qui revient en pleine possession de ses moyens. Un enfourchement. Oh! Quelle facilité! Avec quelle agilité on a levé 235 livres à bout de bras. Aucun problème, monsieur, amenez-en, on a déjà pris avant. Debrick qui implore le pardon et la miséricorde dans le coin. Coup de pied de Laroche. On part maintenant dans les câbles. Oh! À quelle hauteur! Et Debrick qui est peut-être retourné sur son île natale. Et à l'extérieur, on est insatisfait de l'autre de Brick est complètement insatisfait du travail. Je ne sais pas si Laroche va réussir malgré tout à s'en sortir, à travailler contre deux. On le place bien, souplesse arrière, bien appliqué. Une souplesse arrière, bien appliquée. Laroche part dans les câbles, descente de la jambe directement sur la gorge, sur les carotides. Un coup de genou bien appliqué, un tombé, l'arbitre prend son temps. Un, deux, et non! Tout juste à temps. The Brick a réagi. On ne sait pas si c'est la volonté ou encore les nerfs qui l'ont pris. Projection dans les câbles de Brick maintenant. Oh! Qui vient contrer la roche qui se retrouve au sol. Et l'autre de Brick qui encourage à l'extérieur son frère Alain qui est en dedans. Descente de l'avant-bras bien appliqué par Debrick. On prend la roche. On le projette dans les câbles. Non, à toi, à moi. Et non. Et on est pris par le double Nelson. Il y a une certaine difficulté à l'appliquer. Le double Nelson, mais regardez les bras de la roche. Regardez les bras de la roche. Incroyable. Il va réussir à se dégager sans aucun problème de cette prise. Et c'est à qui mieux maintenant. C'est Debrick qui va devoir subir toute la pression de Laroche. Avez-vous remarqué la grandeur des bras? On le prend et c'est un briserin une fois. Oh! Descente de l'adversaire au sol. Laroche qui se relève prend bien son temps. Il aurait dû couvrir l'adversaire à ce moment-là. On vient maintenant le couvrir. Un tombé, un, deux, non! 10 minutes, 10 minutes. Debrick qui a réagi. Attends. On prend Debrick, on le projette dans les câbles. Et c'est la prise de l'ours! Et c'est la prise de l'ours!
Et la roche, c'est qu'il applique toute sa force. On le voit travailler actuellement. Et vous avez l'autre de Bruyck maintenant qui passe à l'extérieur, qui est dans la roche actuellement. Et on est à deux sur la roche. L'arbitre est ici disqualifié. Les deux de Bruyck. Et le travail maintenant, c'est un travail de dévastateur. Ça poursuit à l'intérieur de la reine. Les deux de Bruyck sont là. On fait la fête à la roche actuellement. Mais où est Dave? Et où est Dave? Ont décidé pour se retirer à l'extérieur. Et on tente de provoquer la roche. Eh bien, les deux Bruyck nous auront donné de l'action. Le gagnant, participation, le Justicier du Québec, Mario! Pendant que vous entendez derrière, les deux Bruyck qui continuent d'insulter les deux Laroche. Et on préfère se retirer. Ah ben, à l'issue du combat, vous l'avez vu comme nous, par disqualification, le gagnant, l'un des deux justiciers du ring, il s'agit de Mario. On s'arrête ici. Nous sommes de retour avec encore plus d'action dans un instant. Ou 30 minutes. Il est de Montréal à 225 lignes. De Black Puma. Son adversaire, d'Asbestos, à 235 lignes. Mesdames et messieurs, Dave, le justicier du Québec. L'arbitre du combat, M. Romain Marchand. Ah ben, on l'a vu intervenir à la fin de l'autre combat, celui-là. Un combat qui risque cette fois d'être beaucoup plus scientifique entre The Black Puma, un lutteur de couleur, et Dave, le justicier du ring, le deuxième justicier, en fait. D'ailleurs, qui a de très belles bottes aux couleurs du Québec. Eh bien, déjà, on en est à s'analyser actuellement. Le Black Puma qui veut prendre bien son temps. Il veut prendre bien son temps. Vous avez eu des renseignements plus précis que les miens. Je n'avais pas le même nom sur ma carte. On pourra faire une correction. Je crois que j'ai annoncé Black Puma à 225 livres. C'est 245 livres. 245 livres. Ah ben voilà, le travail est commencé. C'est le Black Puma qui outrage actuellement Bédard. Projection dans les câbles. Oh! Le coup de la corde à linge qui a porté sur le côté de la tête. Et Bédard a été sonné là-dessus. Un autre coup qui a porté directement sur Bédard. Il est présentement au sol. La descente du coude. Ah ben Black Puma a décidé de ne pas s'en laisser imposer. La dernière fois qu'on l'a vu ici dans l'arène, c'était un combat contre Mr. Rock'n'Roll. Combat qu'il a perdu en les dernières minutes. Okay. Vraiment, Rock'n'Roll l'avait emporté par la peau des dents, ce moment. C'était en 1990. Ouais, l'année dernière. Notre statisticien vient de se faire entendre. Eh bien, pendant ce temps-là, c'est Dave, l'autre justicier du ring, qui en prend pour son compte. Et The Black Puma fait le ménage. La Panthère Noire fait le ménage. Et on veut s'en prendre à l'arbitre pour des raisons que je ne connais pas. On veut s'en prendre à l'arbitre pour des raisons que je ne connais pas.
Et Rosaire Marchand n'a pas l'habitude de s'en laisser imposer. Comment qui est impoli. Il est assez arrogant. Il est assez arrogant, merci. Et on accueille d'emblée Dave avec un coup qui porte directement dans le dos. Et on ne veut rien savoir de l'arbitre, Rosaire Marchand. Pendant ce temps-là, c'est Bédard maintenant qui revient et qui réplique. On projette le Black Puma dans les câbles. La savate qui a porté à la hauteur des épaules, un tombé, non! Après deux, le Puma réagit. Le Puma noir deviendra le cauchemar de Rosaire Marchand au cours des prochaines semaines. Un Marchand qui n'est pas très heureux de la manière dont on l'a traité, et avec raison, il aurait mérité de se faire disqualifier automatiquement. Projection dans les câbles. Oh! Avez-vous vu à quelle hauteur le coup a porté? Avez-vous vu à quelle hauteur le coup a porté? Dave est au sol, descend du genou directement. Et ça, c'est difficile pour la respiration parce que ça vous arrive. Ça vous arrive très près des poumons, très près des carotides, près de la gorge. Et sur le dernier coup, eh bien, Bédard a été coupé à la bouche. Et je ne sais pas ce que le Black Puma tente de faire. C'est une prise en cap. Et il manque un quartier. On tente d'appliquer cette prise et c'est fait, mais pas tout à fait dans les règles. Je ne sais pas si vous avez la chance d'observer le croisé habituellement de la prise en carte n'est pas bien fait. Donc, Bédard peut souffrir un peu, mais le Black Puma ne jouit pas de toute la pression qu'il devrait avoir normalement. Et là, l'expérience de Bédard qui est venu prendre les câbles. Je ne sais pas si la caméra peut aller nous chercher. Malheureusement, c'est relevé trop vite. Je vais vous montrer la coupure qu'avait subie Bédard à la lèvre. Et descente directement dans le bas du ventre. Alors, vous le voyez actuellement. Difficile à voir. Nous, de notre côté, on le voit bien. Et Bédard qui est littéralement outragé et insulté par le Black Puma qui... A-t-il quelque chose à prouver? Ou encore, est-ce un bon avertissement pour le champion, Mr. Rock'n'Roll? Et le Black Puma vient d'aller embrasser le tapis après avoir passé par-dessus les épaules de Bédard. Un enfourchement, une projection au sol. Bédard maintenant. Oh, est-ce qu'il va commettre une erreur d'après toi, Michel? On grimpe sur la troisième corde. Le Black Puma qui ne s'est même pas tassé. Un tombé, un, deux et trois. Après cinq minutes. Eh bien, le gagnant. Après cinq minutes de combat, Dave, le justicier du Québec. Dave est parti. Il n'est pas très poli, le Black Puma, pas très. Il est pas très poli. Alors, sur ces scènes un peu disgracieuses, mesdames, messieurs, on va s'arrêter histoire de faire une pause et nous revenons avec encore plus d'action.
Le quatrième combat de cette soirée, une chute aux 40 minutes. Il vient de Toronto à 295 livres, Jeff the Smart Boy. Il est de Drummondville à 260 livres, ex-lutteur international de WWF, Road Rider Dick Dessier. Naturellement accompagné de leur gérant, Greg Allo. Ses adversaires totalisent 360 livres. Ils sont de Wickham, The Twins Brothers. L'arbitre de ce combat, M. Pierre Demers. Écoutez bien, moi, écoutez-moi une minute. D'ailleurs, si vous voulez entendre, vous me lèvez, mon jeune. D'identité, vous n'allez pas changer. Si vous vous rappelez dans les deux derniers, le troisième combat, là, c'est là. Vous en rappelez-vous, ça? Qu'est-ce que Frank the Tiger? Hein? Frank the Tiger, puis ma mère, le King of York. Hein? Hein, mon petit barbouillé? Tu te rappelles, là, qu'est-ce que tu m'as fait, hein? Ben, m'a tiré la fin, mon Frank the Tiger. Toi et puis Barber, les deux. J'étais chez deux gars qu'eux autres, ils respectent les gérants. Toi, t'as vraiment fini à respecter le monde. La partie de Hansi, tu vas apprendre à respecter. T'es pas venu à bout de te rendre une fois la tête, on va t'en rentrer. OK? On va commencer à soir parce que j'étais chez Will Ryder, le chef de Smart Boys, champion de Toronto, je veux dire champion ici par l'équipe. Quand mes vétérans se portent la ceinture, c'est eux qui vont retourner à chercher. Je te jure de ça. En passant par vous autres. Mazan. Puis on va commencer direct à soir, mon Road Rider puis Jeff. On commence direct à soir avec eux autres, les frères la bonté. Puis le monde, si vous avez du temps à part, allez porter du sang à Saint-Croix, ils vont en avoir besoin. Eh bien, vous avez entendu, tout comme moi, les déclarations belligérantes. Vous avez, tout comme moi, et l'action qui... déjà a débuté dans ce match. Jeff, the Smart Boy, est passé à l'extérieur. Road Rider Dick Tessier est resté à l'intérieur. Et pendant ce temps, on fait la fête à Tessier. On fait la fête à Tessier. On est à deux dessus. Projection au sol. Tessier est sonné. Et pendant ce temps à l'extérieur, il y a Grand Gallo qui n'est pas fier de la situation et qui aurait bien voulu intervenir. Descente du genou une deuxième fois. Descente des deux genoux. Descente sur la jambe. Ah ben, Michel, je pensais pour peu que vous resteriez dans l'arène. Non, Don Marquis est descendu assez vite. Mais quelle surprise! Les frères La Bonté qui n'ont rien ménagé. Et c'est de la voltige et c'est de l'action depuis le début pendant que Grand Gallo à l'extérieur n'est pas satisfait du travail qu'on a accompli sur ces deux protégés. Et La Bonté qui passe derrière l'autre qui intervient à descendre du coude. Prise de jambe maintenant. Et Tessier qui souffre pendant qu'à l'extérieur, vous voyez Grand Gallo qui s'en prend lui toujours de l'autre côté à Frank de Tiger qui est de l'autre côté de l'arène. Le Grand Gallo qui en a plein les bras, ses protégés, qui en mange lourd actuellement. C'est un des deux La Bonté actuellement, Rosaire, qui fait souffrir Tessier. On va tenter de se déprendre de cette prise. Les bras de Tessier sont assez longs et assez puissants, mais
la rapidité et la vitesse d'exécution de la bonté fait en sorte que Dessier est maintenu au sol. Deuxième descente du genou directement et sur le bras et sur le dos en même temps. Ce qui fait littéralement grimacer Dessier. Et pendant ce temps, vous avez remarqué que ce n'est pas la canne habituelle de Grand Galop, mais c'est le bâton de baseball. Bâton de baseball. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont passer au bat. Oui. Et vous le voyez actuellement, mesdames, messieurs. On va se surveiller. Alors, vous avoue que je n'aimerais pas tellement me retrouver dans l'arène. Non, hein? Dessier qui essuie encore les fougues de la bonté. Un coup de la corde à linge appliqué avec force dans les carotides. Rosaire maintenant fait le changement. Et encore une fois, le saut de l'ange. Dessier au sol. Un, deux, non! Dessier se dégage. Dessier s'est dégagé. Et pendant ce temps, Martin Labonté, Martin de Loverboy, vient faire le travail sur Tessier. Clé de bras. Retournement du bras pour une deuxième fois. Oh! Et là, on vient d'inverser les rôles à toi, à moi. Et là, c'est Tessier qui applique toute sa force sur la montée. Et on a tenté de se déprendre et on a réussi. L'expérience de Tessier qui l'amène à placer les pieds dans les cordages. L'arbitre demande le bris. La bonté accorde, mais aussitôt on revient avec un coup de bras. Et bon! Oh! 260 livres au sol. Ah ben, Martin La Bonté me surprend. 260 livres. Oh! Et qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire, la bonté va en finir avec son adversaire, mais là, on s'est fait contraindre. Pendant qu'on a vu Grand Galop qui a voulu venir faire chuter, c'est ça. Chuter la bonté en lui prenant les pieds, mais c'est arrivé un petit peu trop tard. Le changement s'est fait. C'est Rosaire qui est dans l'arène, qui vient de donner une bonne savate à Tessier pour le projeter au sol. Encore une fois, un tombé. Un, deux, non! Et Tessier qui résiste toujours. Rosaire qui revient encore une fois. Prise de tête. Bien appliquée avec force. On ne connaît pas le poids exact de Rosaire. C'est 170 livres à peu près, actuellement. Puis totalise 360 avec son frère. Alors, peut-être 170. C'est un peu plus que ce que Tessier. La descente du coude, on se met à deux. Et l'arbitre de Mers qui se retrouve au plein centre du litige. Et pendant ce temps, on en a profité. Et c'est Jeff de Smart Boy qui est revenu et qui vient faire la fête au dos de la montée. La montée pendant les câbles. Bien reçu par le coup de la corde à linge. Jeff de Smart Boy prise de tête. On projette la montée au sol. On passe derrière. Descente de l'avant-bras. À deux reprises. Sur la poignée. Oh! Un coup d'avant-bras qui a été bien appliqué. Et on amène 5 minutes. Et là, vous voyez que c'est Tessier qui fait le travail pendant que de l'autre côté, il y a Grand Galop qui frappe avec le bâton de baseball. On est à deux, et parfois même à trois sur la bonté. C'est tout à fait illégal. Comme cette équipe, comme ces gens nous ont toujours habitués. Un tombé, un, deux, non! Non, il résiste. Jeff de Small Boy le remet en position. 1-2, non! On réussit à se dégager à temps. Coup d'arpin, projection au sol. On revient derrière avec une prise de bras. Avec une belle clé de bras. Une belle clé de bras. Une solide prise de tête bien appliquée. Et regardez les bras de Jeff de Small Boy. Je ne sais pas combien il fait de tours de bras. Ça doit serrer un brin. Ben, il est le champion de Toronto. Alors, imaginez-vous. Toronto ou tard? Toronto. Et c'est Martin La Bonté maintenant qui est dans l'arène après le changement. Quoi qu'il en soit, ce sont deux mastodontes. Oui. Vous avez d'un côté la force et la violence, donc de l'autre côté l'expérience et l'agilité. Voilà. Nous verrons laquelle de ces deux équipes va sortir, bien sûr, gagnante de cette épreuve.
L'arbitre de Perse, d'ailleurs, vous me permettez de rire parce que nous, on voit l'arbitre de plein visage et il est pour l'instant bien dépeigné. Il a le toupet en bas, les cheveux d'en face. Un peu de répit. Prise de tête de la montée, oui. Bon travail du caméraman qui a tenté de vous dire. On vient de se repeigner d'ailleurs. Bon, c'est la Small Boy qui est au sol, la Bonté qui est partie dans les câbles et qui est venue l'étendre. On couvre, un tombé, un, deux et non! Non! Le Small Boy a décidé que ça ne s'arrêtait pas là. La Bonté revient, on le relève, coup d'avant-bras. Oh, on a été contré cette fois. C'est Jeff de Small Boy qui revient avec force. Et regardez la stature de Jeff de Small Boy. Oui, ça, c'est la descente du menton en plein sur les genoux. Ça vous brasse le Canadien. Canadien. Dans le coin des méchants maintenant, c'est Road Rider qui monte sur la troisième corde. Oh! Descente sur l'articulation du bras. La Bonté est au sol et souffle. On le prend. La raison dans les câbles et le coup de mule qui a porté directement sur la mâchoire. Le coup de pied de mule qui a porté directement sur la mâchoire. La Bonté est sonnée. Le coup, on l'a entendu résonner. Un deuxième. Un troisième coup d'avant-bras directement sur la poitrine. Et pendant ce temps, regardez, grand galop vicieux qui vient encore une fois faire le travail à l'extérieur de l'arène. Grand Galop vient faire le travail pendant que l'arbitre fait ses représailles à Tessier. Encore une fois, Demers n'aura rien vu. Coup de pied directement porté sur la tête. On reprend la montée. À bout de bras et on le laisse tomber au sol. Eh bien, je ne crois pas que Martin puisse se relever d'autant de coups et d'autant d'assauts. L'écartèlement des mâchoires. 10 minutes, 10 minutes. L'écartèlement des mâchoires. Et le tout se fait sous le regard de satisfaction de Grand Galop qui est à l'extérieur. Un changement. Maintenant, c'est Jeff de Small Boy avec Tessier qui place et qui retient actuellement la montée de Small Boy. Qui intervient pour frapper à trois reprises. Et le travail va se poursuivre. Parce que tu la corporation. L'arbitre de Merce fait ses représailles. Oh! Double coup de la corde à linge. Et pendant ce temps, Jeff de Small Boy en descente du genou directement sur la poitrine. Un tombé, un, deux, non! La Bonté résiste. La Bonté ne s'est pas laissée faire. Belle clé de bras appliquée en souplesse. Et on retrouve les deux gladiateurs au sol. Arbitre Demers qui fait ses remontrances à Jeff de Smart Boy. Et pendant ce temps, Martin Labonté qui aura fait les frais de son entrée triomphale. Il y a Tessier qui est tout juste ici devant. Tessier qui est droit devant Demers. Il va faire ses représailles. On amène Martin Labonté dans le coin des méchants. Et Demers qui est encore de l'autre côté de l'arène. Labonté dans les câbles. Oh! Un double surpassement par-dessus les épaules. Et Labonté s'est accueilli directement sur le trait arrière, sur le coccyx. À plus de 7 pieds dans les airs. Oui. Ils étaient deux dessus. La descente du genou directement sur la poitrine. La descente du genou directement sur la poitrine. Un tombé, un, deux, non! Tessier n'a pas assez. Tessier a décidé de se relever lui-même pour continuer le travail. L'atmosphère est survoltée à l'intérieur, Michel, actuellement. On a de la misère à s'entendre. Ah, écrasement de la tête sur le tapis. Une spectatrice veut s'en prendre à Grand Galop. Ouais. Une habituée, d'ailleurs. Ça brosse. Et là... La couette de Martin qui se défait peu à peu. Et Tessier est intervenu à temps, histoire de briser le changement. Et on va ramener la Bonté dans le coin des méchants. Descendre de l'avant-bras à trois reprises maintenant. On entend le coup porté d'ici.
C'est dur pour la respiration. Inutile de vous dire que Grand Gallo n'est pas très élogieux envers les adversaires de ses protégés. Des coups de pied, des coups de poing dans le coin. Et là, c'est Rosaire Labonté qui est accueilli avec un coup de pied de mule. Tessier qui va aller s'en prendre maintenant de l'autre côté. Il va aller s'en prendre de l'autre côté à Labonté. On le fait passer à l'extérieur et on revient faire le travail sur Martin. Prise de tête. Le Smart Boy qui est grimpé sur la deuxième corde actuellement. Tessier qui prend bien son temps, qui amène son adversaire dans le coin. L'écrasement au sol. L'écrasement au sol. C'est normalement une prise qui achève l'adversaire, mais Tessier désire en mettre davantage à la vue de ses adversaires, surtout au regard complice. Oh! Souplesse arrière avec un départ de la troisième corde. Un tombé. Un, deux et trois. 1, 2 et 3. Après 12 minutes de combat, les gagnants, Road Rider, Dick Tessier de Jeff the Smart Boy. Contrairement à ce que mon camarade vient de vous annoncer, c'est après 13 minutes de combat. Après 13 minutes dans ce combat, eh bien, l'issue a été finale. Et la discussion va reprendre de plus belle entre Grand Gallo et Frank the Tiger de l'autre côté de l'arène. Vous n'avez pas la chance d'observer le tout. Les gagnants, donc, de ce combat, Road Rider Dick Tessier et Jeff the Smart Boy. Après autant d'actions, on s'arrête histoire de bien vouloir reprendre notre souffle. Et l'action se poursuit dans un instant. Ben, le combat a failli démarrer plutôt que prévu. Alors, le cinquième combat de cette soirée, une chute ou 40 minutes. D'un endroit inconnu, pesant 200 livres, de Stamper. Il est de Pointe-aux-Trembles. Il est le champion de la ceinture Fantasme Lepage. Mr. Rock'n'Roll! Encore une fois, un combat qui débute beaucoup plus tôt que prévu, alors que The Stamper a voulu se prendre par l'arrière Mr. Rock'n'Roll, qui a bien contraint la manœuvre. Eh bien, Michel! Il va m'arriver des choses ce soir. Eh bien, Michel, c'est presque... Là, je vais en avoir à compter. C'est presque des cours de vitesse que vous devriez prendre, mon cher. Ou encore des cours de voltige pour pouvoir passer rapidement par-dessus la deuxième corde sans vous blesser. Ouais, je pratique. Un peu de rigolade pendant dans la haine. Nos adversaires s'étudient tant bien que mal. C'est la première fois, Michel, qu'on a la chance d'observer M. Rock'n'Roll dans l'arène avec sa ceinture. Oui, c'est la première fois, c'est vrai. Et d'ailleurs, il faut souligner ici, pour les gens qui ont suivi les derniers combats, M. Rock'n'Roll avait gagné sa ceinture contre Martel. C'est ça. Contre Kevin Martel. Et combat au cours duquel Martel avait été blessé. C'est bien ça, oui. Et je
ne suis pas sûr que Rock'n'Roll mérite véritablement cette ceinture parce qu'il a un peu profité du fait que Martel soit blessé pour pouvoir du même coup devenir champion. Donc, il y aura une confrontation sûrement très intéressante au cours des prochaines semaines entre le dit champion, celui que vous observez actuellement, et Martel. C'est bien ça. Le sort de la a décidé ainsi. L'arbitre a bien vu ce qui s'était passé. Eh bien, pendant ce temps, on peut au moins admettre une chose. Mr. Rock'n'Roll a fait de l'excellent travail à venir jusqu'à maintenant sur The Stomper. J'entendais tout à l'heure un spectateur qui disait « The Stomper porte un gant de boxe sur la tête. » J'aimerais ajouter, Yves, que cette prise-là, Manuel Cortés l'appliquait très bien en 1970. Ah oui? Oh. Ah, mais... j'étais bien jeune. C'est loin, c'est loin, ça, Yves. Hein? J'étais bien jeune, mais à l'époque. Ah ben, c'est la prise des trapèzes actuellement. Et on a la chance d'admirer le faciès grimaçant de Stomper, nous, de notre côté. Et Rock'n'Roll qui va enlever le masque au Stomper. Et là, on va commencer à le faire. Et l'arbitre Marchand vient s'interposer. L'arbitre Marchand vient s'interposer pour empêcher. Et on n'a pas la chance de bien saisir ce que le Stomper prononçait. On dirait qu'il y a un problème d'articulation. Ah, ben là, on l'entend bien crier. Ah, ben là, on a trouvé le piton. Le bouton rouge. Rock'n'Roll qui continue le travail. Descente du genou dans le bas de la colonne vertébrale. Et on travaille toujours le trapèze de l'épaule. Histoire, ça provoque deux choses. Hein. Ça engourdit énormément le bras et ça enlève aussi la circulation du sang dans une partie du cerveau. Donc, ce qui donne comme effet d'engourdir le gladiateur pour le rendre plus facile par la suite. On vient de projeter Rock'n'Roll dans les cadres. Coup de bélier de Stomper est projeté au sol. Rock'n'Roll qui repart un deuxième coup de bélier. Le Stomper est au sol, on passe par-dessus. On a bloqué la queue de bras, mais on vient de se faire... On a été contré par Stomper qui a agi rapidement là-dessus. C'est la première fois qu'on le voit ici, le Stomper. C'est également la première fois que je vois un lutteur en caleçon à grand manche. À grand manche. Mais il fait froid aussi. Pas ici, mais dehors. C'est très froid. Ouais. Alors, en tombée, un, deux, et oh! Je pensais que Rock'n'Roll était fait là-dessus. Il n'a pas eu beaucoup de réactions. Il s'est fait sonner par la corde à linge. Projection dans les câbles. Oh! Le coup de coude qui est porté directement sur la poitrine. Et Rock'n'Roll est au sol. Je ne sais pas s'il cherche ses notes. Un double coup sur les trapèzes. Un deuxième fois. Et la graffigne. La graffigne. Et pour une deuxième fois, là. Ça ne fera sûrement pas plus. Et là, vous voyez le Stomper. 5 minutes. Le Stomper qui vient faire le travail. Il vient faire le travail dans les câbles. L'arbitre Marchand fait bien sûr ses réprimandes. Le Stomper ne veut rien entendre. On poursuit le travail d'étranglement de Rock'n'Roll entre la deuxième et la troisième corde. Rock'n'Roll qui doit reprendre son souffle. Faciès grimaçant. Descente de l'avant-bras sur le dos. The Stomper qui semble satisfait de son travail. Encore une fois. Et les graphignes. Ben, j'espère que sa petite amie n'est pas jalouse. Il y aura des graphignes dans le dos ce soir. On vient de passer le champion à l'extérieur de l'arène. On a fait un bon ménage. L'arbitre Marchand fait maintenant le compte. Le Rock'n'Roll qui va bien prendre son temps à l'extérieur histoire de récupérer un peu. Et comme il vient pour se présenter, The Stompers l'attendait. Un coup de genou et on est retourné au sol. On revient maintenant en vitesse dans l'arène. Rock'n'Roll est accueilli par The Stompers et encore les graphines. Ah ben! Et là, c'est
On ne sait pas si c'est la prise des trapèzes ou l'étranglement. On voit c'est, pas assez bien. Hein? C'est quelque part mêlé entre les deux. Tout ce que je sais, c'est ça n'a pas l'air de faire beaucoup de bien. C'est douloureux. C'est ça. Ça n'a pas l'air facile et le travail recommence maintenant. L'arbitre Marchand, tout comme nous d'ailleurs, cherche qu'est-ce qui se passe. Et histoire de discuter avec l'arbitre, c'est le genou maintenant. C'est l'étranglement qui a été poursuivi. Rock'n'Roll qui passe encore une fois à l'extérieur. Avec autant de faforlouche après lui, si vous me permettez l'expression. Ça aide pas non plus. On se relève encouragé, bien sûr, par les spectateurs. Par une spectatrice, je ne sais pas. Rock'n'Roll qui est sur la troisième corde et l'étranglement qui a pour effet de le retourner à l'extérieur. Rock'n'Roll est grimaçant. Rock'n'Roll est grimaçant. Il est encouragé par un jeune spectateur. Rock'n'Roll aura besoin de plus d'encouragement s'il veut revenir plus fort que jamais dans le combat. On entre difficilement dans l'arène. On est bien accueilli par The Stompers. Un bon coup de genou. Et on replace les idées. Et Rock'n'Roll encore une fois dans les câbles. Et The Stompers qui en profite encore pour l'étrangler. Et l'arbitre Marchand fait ses réprimandes. Demande le bris, le Stompers ne veut pas l'accorder. Finalement, le Stompers vient de donner une leçon à Marchand. 1, 2, 3, après on se tasse. Coup de boule. Coup de boule. C'est à ça qu'il sert le gant de boxe. C'est au coup de boule. Le gant de boxe. On se souvient pas. Rock'n'Roll qui a semblé pendant un moment vouloir revenir, mais le Stompers ne lui a pas donné chance. Et là, c'est... Ce Rock'n'Roll n'a pas eu le contrôle sur le combat du tout depuis le début. Mais... Non. Et ce qui est malheureux avec Rock'n'Roll, c'est que souvent, il se fait prendre dans cette fameuse prise. Oui. Il a énormément de difficultés à s'en dégager, comme d'ailleurs la plupart des lutteurs. Et là, encouragé par la foule, il tente de se relever. C'est ce qu'il fait. The Stompers a les deux pieds qui ne touchent plus au sol. Rock'n'Roll est debout et on vient l'écraser. On vient d'écraser The Stompers dans le coin. Et comme Rock'n'Roll est sonné, il est encore dans une bien fâcheuse position. Et The Stompers qui revient et descend dans le bas du dos. Encore une fois. The Stompers qui fait quand même 200 livres. 200 livres qui vous sautent comme ça dans le bas du dos, ça sonne. On place l'adversaire. 1, 2, et Rock'n'Roll réagit. Rock'n'Roll qui réagit, mais pas assez. The Stompers est passé à l'arrière. Une belle prise de tête. 10 minutes. Bien appliqué. 10 minutes. Je ne sais pas, Michel, pendant combien de temps Rock'n'Roll va demeurer champion. Et je trouve qu'il en arrache. Il en arrache. C'est pas son premier combat pour ça qu'il en arrache. Il a beaucoup de difficultés à s'imposer. Et comme champion, je pense que le règne sera bien court. On l'a fait passer encore une fois entre la deuxième et la troisième corde. Et il est au sol. L'arbitre Marchand tente de faire son compte. Il a bien de la difficulté. Marchand qui dit aux Stompers, si tu veux y aller, vas-y donc. Pendant qu'il est entre la deuxième et la troisième corde pour faire le compte. Vous avez d'ailleurs une très belle vue du train arrière de Rosaine. Rosaine n'a pas perdu de poids dans le temps des fêtes. Non, hein? Pas du tout. Et pendant ce temps-là, à l'extérieur, Michel, il faut bien dire que The Stompers a poursuivi son travail de démolition sur Rock'n'Roll. Il est complètement intempé. Et Marchand qui a de la difficulté ce soir à s'imposer. Tous les lutteurs lui en veulent. On ne le manque littéralement pas. Et The Stompers va chercher le champion à l'extérieur. On lui écrase la tête sur le tablier de l'arène. À mon avis, il était un peu trop sûr, The Stompers. On place bien Rock'n'Roll. Et un coup de poing en plein front. Et là, et c'est The Stompers qui se fait accueillir sur le coin de l'arène. Eh bien,
Rock'n'Roll avait bien pris son temps de récupérer le saut de l'ange avec le coup qu'il a porté littéralement dans le dos. Le Stompers est au sol, complètement sonné. Pendant que la foule est déchaînée, Rock'n'Roll le prend. Belle projection au sol. On se retire. On va maintenant monter sur la troisième corde. Il prend bien son temps. De Stompers se relève. Et... Et Rock'n'Roll qui a été contré là-dessus. Et le coup a sonné. Le coup a sonné. Je ne sais pas si Rock'n'Roll pourra continuer aussi agilement le combat, mais ça n'aurait pas voulu être le genou qui est entré directement dans le tapis. Le Stompers part dans les câbles. On s'écroule de tout son long. On est tombé 1, 2. Et Rock'n'Roll se dégage. Pendant que le Stompers demande à l'arbitre de compter un peu plus vite. Et la discussion qui s'engage et qui se poursuit entre Marchand et l'arbitre. Et Rock'n'Roll est toujours au sol, lui, pendant ce temps-là. Le Stompers qui le relève. Et là, on prend le temps de bien placer souplesse arrière. Et Rock'n'Roll est sonné. Il en a subi des coups, il faut bien le dire. Un, deux, et non. Et là, Marchand a pris son temps plus que jamais. Et regardez le Stompers. Le Stompers qui donne des cours. Plus qu'il va s'en prendre à Rosaire, plus Rosaire va retarder encore, je pense. Marchand, d'ailleurs, qui se marre bien dans ses combats. On passe par-dessus, et c'est le petit paquet. Attendez, un, deux et trois. Le gagnant après 14 minutes de combat, Mr. Rock'n'Roll. Ah ben, mesdames, messieurs, vous avez encore une fois assisté à une victoire de Rock'n'Roll, mais une victoire à la dernière minute, il faut bien dire, une victoire de tout dernier instant. On s'arrête. Histoire de reprendre notre souffle. Et nous sommes de retour dans un moment avec encore plus d'action. Mesdames et messieurs, pour cette finale, une chute aux 60 minutes. Il est de Montréal, à 246 livres. Mesdames et messieurs, The Wall! Il est de Saint-Damas, champion du Québec, international dans WWF, et à 225 livres, Serge Jodoin. L'arbitre de ce combat, Pierre Demers. Eh bien, on se posait des questions sur le nom de l'autre. Alors, celui qu'on a vu lutter contre l'un des justiciers du ring plus tôt dans les combats d'aujourd'hui, c'était The Brick. Et normalement, comme c'est le cas dans la chanson, l'autre qui devait suivre allait s'en trouver The Wall. The Brick and The Wall. The Brick and The Wall, peu importe. Alors, on se demandait quel style de lutte il était capable de fournir. Eh bien, nous aurons la réponse au cours des prochaines minutes. On va le voir. Et voilà, c'est parti.
sans même que l'arbitre ait eu le temps de faire ses petites recommandations d'usage. Jaudoin, champion du Québec, on a d'ailleurs la ceinture ici sur la table, à risque d'en manger à toute une. Alors, The Wall qui a été un surpassement par-dessus les épaules de Jaudoin, et The Wall s'est retrouvé à glisser sous la troisième corde et à se retrouver à l'extérieur. Le duo a surveillé, mesdames, messieurs, The Brick qui monte sur le palier de la reine pendant que The Wall, lui, est toujours en bas. Notre duo coloré, Michel. The Brick and The Wall. On a été plus polis, on vous a donné le temps de sortir cette fois-là. Oui. Alors, vous voyez que The Wall qui va faire maintenant son retour dans l'arène, oui. Semble avoir bien récupéré. Un physique imposant et impressionnant que ce The Wall. Il y a The Brick qui est le seul à encourager, encourager son partenaire. Coup de genou, coup d'avant-bras, descente de l'avant-bras dans le dos, coup de pied maintenant. Et Jaudoin est au sol. Un autre coup de pied porté directement sur le ventre. Et Jaudoin grimace. On soulève, on projette Jaudoin au sol. On prend Jaudoin, le projette dans les câbles. Non! Un petit retournement. Coup de bélier qui a projeté Jaudoin au sol. The Wall part dans les câbles. Un deuxième coup de bélier qui a projeté Jaudoin au sol. Encore une fois dans les câbles. The Wall passe par-dessus. Et on vient de se faire contrer avec un surpassement. Et The Wall, il va aller prendre bien son temps pour récupérer à l'extérieur. C'est un maillot qui me fait sourire à chaque fois. Il y a plusieurs couleurs. Oui. Ça me rappelle mes souvenirs de jeunesse. Chez nous, on avait des tentures, des rideaux un peu dans ces couleurs-là. Dans une époque qui est complètement autre que celle d'aujourd'hui. Ce n'est plus de mode, c'est dépassé de mode. Vous savez qu'on dit que les vieilles choses reviennent à la mode, alors pourquoi pas? Ah ben! Jaudoin qui a accueilli The Wall avec une solide prise de tête, on l'a amené au sol par un déhanchement. La prise semble légale d'après ce qu'on peut entendre de l'arbitre Pierre Demers qui interroge pour savoir si l'autre voulait abandonner, c'est pas le cas du tout. On prend, on l'amène dans les câbles, projection. Oh! Et Jaudoin qui a réussi cette fois-là à envoyer The Wall au sol. On se relève. Et on se fait contrer. Ah ben là, The Wall a voulu se passer un peu trop fin et s'est retrouvé au sol. Il s'est retrouvé. Et il y a pendant ce temps The Brick de l'autre côté, lui qui a un large sourire aussi. Bon, parlez-moi d'un sens d'humour. La prise de tête toujours bien maintenue par Jaudoin, un déhanchement. On a mis The Wall au sol. La descente directement sur l'articulation du bras. Descente du genou. Et on ramène encore une fois The Wall au sol et on applique toute la pression sur et l'articulation du coude et l'articulation de l'épaule, ce qui a pour effet de fatiguer considérablement The Wall. Un autre déhanchement pour le ramener au sol. La prise de tête y est toujours bien appliquée. Surpassement, la prise est maintenue. On est de retour sur le tapis de l'arène et The Wall est encore en dessous. On est très, très près des câbles. Et j'ai l'impression que pendant que Jaudoin travaille fort à tomber, un, deux, non! Jaudoin qui réussit à se dégager à temps. Pendant que Jaudoin applique toute la force sur la tête de The Wall, et encore une fois, un, deux, non! Ce n'est pas suffisant. Ça donne la chance à l'autre de récupérer, j'ai bien l'impression. Voilà. Oui. J'ai bien l'impression que l'autre a pris bien son temps au sol pour pouvoir reprendre son souffle. Mais par les cheveux maintenant, on s'est libéré de la prise et on a amené Jaudoin au sol. Et Jaudoin qui est revenu encore une fois chercher The Wall, et on l'a ramené au sol. On l'a ramené au sol par la prise de tête. On se relève maintenant. Jaudoin qui met toute la pression, comme vous pouvez voir. Projection dans les câbles. Jaudoin qui part dans les câbles. Attendu par The Wall. On lui passe entre les jambes. Et encore une fois, ah ben Jaudoin qui poursuit le même travail depuis le début. La tête, toujours la tête. Et on se retrouve encore une fois au sol. The Wall qui a peut-être sous-estimé son adversaire. Ah oui, arriver trop confiant, c'est peu dire. Il semblait vouloir faire la pluie et le beau temps, mais jusqu'à maintenant,
ça ne nous a pas tout à fait donné la démonstration de lutte à laquelle, normalement, ce serait attendu. Et encore une fois, par la prise des cheveux, on vient se débarrasser de Jodoin, qui revient encore une fois avec la prise de tête, le déhanchement, et on se retrouve encore au tapis. Ah ben, il est têtu, Jodoin. Têtu. On remarque le partenaire de Wall. Il n'a pas le même enthousiasme en bas de la reine que son... Mais peut-être que ça cache des choses. Pendant ce temps, c'est Jodoin qui est parti dans les câbles. Coup de bélier qui a projeté The Wall au sol. On est encore dans les câbles. Et The Wall qui l'attendait. On a fait passer Jodoin de l'autre côté de l'arène, directement à l'extérieur. Et pendant ce temps, c'est The Brick qui va faire le travail. Oh, coup qui a porté. 5 minutes. Avec écrasement de la colonne vertébrale sur le tablier de l'arène. Et un coup... Et un coup d'avant-bras qui a porté directement dans les carotides. On a assommé à l'extérieur Jodoin. Et pendant que The Wall s'entretient avec l'arbitre, eh bien, The Brick lui poursuit le travail. Jodoin qui essuie encore une fois les fougues du partenaire de son adversaire. Et The Brick qui repousse tranquillement Jodoin à l'intérieur. Comme si rien n'était. Et une petite taloche pour le réveiller, peut-être. Pourquoi pas? The Wall qui accueille Jodoin avec une prise. On le place maintenant pour une souplesse. Haut dans les airs. Et regardez ça. Oh, quel beau travail. Jodoin qui est sonné 1-2. Non, se dégage. Et The Wall qui relève Jodoin. Il relève encore avec une belle prise. Oh! Écrasement de la colonne vertébrale dans le coin. C'était une demi-prise de l'ours avec projection. Qui ne donne pas beaucoup de chance à l'adversaire. Et The Wall qui, avec plusieurs descentes du genou, vient sonner Jodoin. Coup de pied. On prend Jodoin. Projection au sol. On part dans les câbles maintenant. Et c'est la... Oh! Un autre qui se fait faire le coup du tape-cul. The Wall qui est arrivé quelques fractions de secondes trop tard, il n'y avait plus personne. Et Jodoin qui en a profité pour se relever rapidement et vient de se faire contraindre par les doigts dans les yeux. Et là, c'est un étranglement présentement. Et The Wall est satisfait de son travail. Jodoin qui souffre. On va tenter de récupérer un peu. Ben, le champion est actuellement en bien mauvaise posture. Deux adversaires sur lui. Quelle sera l'issue du combat? On ne sait pas encore. The Wall maintenant qui amène Jodoin dans les câbles. Coup de poing. Un autre coup de poing. Projection dans les câbles. Oh! Coup de pied de mule directement sous la mâchoire. Au pays des rêves de Jodoin. The Wall qui devrait couvrir l'adversaire pour en terminer, mais veut s'amuser encore avec lui quelques instants. L'étranglement, l'arbitre demande le bris pendant que The Brick, lui, à l'extérieur de l'arène, fait le compte. Jodoin qui est sonné, même si, bien sûr, la foule demande à Jodoin de se relever, est complètement parti. Une demi-souplesse avec écrasement. Un tombé, un, deux, non. Jodoin résiste. Et The Brick, maintenant, qui s'est approché de nous, il n'est pas tellement loin. Et The Wall, lui, poursuit le travail. Projection dans le coin. Écrasement de la colonne vertébrale. Oh. Coup d'épaule dans le bas du ventre. Encore une fois. Et Jodoin qui est presque assis sur la deuxième corde. On le prend. Projection dans le coin. Projection dans le coin. Et là, Demers qui a demandé à The Wall de bien vouloir respecter les breaks. Et on part. Et The Wall s'est encore fait contraindre là-dessus. On est arrivé trop tard. Jodoin qui prend The Wall, le projette dans les câbles. Surpassement par-dessus les épaules. Descente du coude. Oh! Et ça a porté ça entre la mâchoire et la gorge. Et Jodoin qui, à son tour, arrive quelques instants trop tard. The Wall qui se relève présentement. Un tombé, un, deux, non. Jodoin résiste. 10 minutes. L'issue du combat, Michel, est difficile à déterminer parce que on ne sait pas le. C'était à toi, à moi, à qui mieux. Et c'est très départagé. Et voilà que Jodoin est au sol, il y a The Wall qui est par-dessus. Et les coups de poing maintenant qui pleuvent.
Voilà. Projection de Jodoin dans les câbles. On passe par-dessus le petit paquet. Et que va-t-il se passer? Attends, Jodoin est là. Jodoin qui... Et l'arbitre qui devrait normalement faire le compte, mais il y a une discussion à l'extérieur de l'arène, ce qui fait que Jodoin, fatigué, n'a pas le temps de tenir la prise suffisamment longtemps pour le compte. The Wall qui s'est relevé pendant ce temps, qui prend Jodoin, le projet dans les câbles. On y va pour la corde à linge, Jodoin n'est pas là. Le saut de l'ange, un tombé, un, deux, et non! The Wall s'est dégagé au dernier instant. Vraiment au dernier instant. Il se relève le premier d'ailleurs, prend Jodoin par la tête. On le place pour un surpassement, projection au sol. Et The Wall maintenant qui va se... qui se retire. On sort de l'arène. Que va-t-il faire? Que va-t-il se passer? On a le pied sur la première corde. Jodoin est sonné, l'arbitre de Mercella. On monte sur la troisième corde, Michel. On est sur la troisième corde. L'arbitre fait le compte. Regardez à quelle hauteur il est arrivé. Un tombé, un, deux. Et Jodoin résiste. Incroyable. Jodoin a dit non. Et The Wall qui tente de se retirer pour implorer pardon, mais Jodoin n'en entend pas ainsi. On est épuisé de part et d'autre. L'arbitre de mer s'est tombé au sol. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Projection dans les câbles. Et The Wall qui arrive avec le double Nelson pendant que de l'autre côté, il y a The Brick qui grimpe sur le troisième corde. Et on est venu frapper son partenaire. On le couvre. Et que va-t-il se passer? The Wall est sonné au sol. Attendez, un, deux et trois! Issu de match un peu controversé alors que Demers était au sol. Après 12 minutes de combat, le gagnant, Serge Jodoin. Avant le champion conserve sa ceinture. Il y a une discussion parce que vous l'avez vu tout comme nous, c'est The Brick qui est grimpé. C'est The Brick. Et là, l'arbitre a changé. L'arbitre a changé de décision. Et là, on a The Wall qui s'en vient. Hey, Jodoin, t'as voulu tricher? Tu frappes avec des objets, mais tu payes pour. C'est nous autres les gagnants. C'est moi le gagnant. Je me ferais bien ça. Est-ce que tu es tricheur? Rien qu'un tricheur, Jodoin. Un écœurant tricheur. Alors, disqualification de Serge Jodoin, le gagnant de War. Madame Michel, sur ces images contestées et controversées surtout, on a bel et bien vu The Brick descendre du haut de la troisième corde. L'arbitre de mer était au sol et là, Jodoin veut frapper l'arbitre, ce qui pourrait lui coûter cher. Ce qui pourrait lui coûter cher. Le champion veut frapper l'arbitre, ça pourrait lui coûter cher. Hey, le tricheur, ça va te coûter cher si tu frappes l'arbitre. Hey, le tricheur, ça va te coûter cher si tu frappes un arbitre, le tricheur. Tu mérites même pas d'être champion, t'es un estime de tricheur. Et The Wall qui en profite pour venir insulter de l'extérieur Serge Jodoin en le traitant de tricheur. L'arbitre de Mers est encore une fois de plus en plein cœur de toute une controverse. Néanmoins, sa décision la victoire est finale de gagnant. The Wall. Eh bien, mesdames, messieurs, nous vous remercions d'avoir été parmi nous pour la présentation de cette émission de lutte. On vous invite à être présent pour notre prochain rendez-vous. Yves Sanson, qui, au nom de toute l'équipe, vous dit à la prochaine.